Bienvenue à tous ici à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime pour l'événement de la moisson 2024 avec le lancement de la CR11 aux établissements Chambon. L'entreprise Chambon représente la marque Newland ici sur 5 départements, la Charente-Maritime, la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et une partie des Hautes-Landes. Donc ici, nous attendons 150 clients ce soir pour cet événement où nous présentons bien sûr la CR11. La CR11 avec sa coupe 15m20. Sa coupe de 15m20 que vous allez pouvoir évoluer d'ici quelques instants. Un Big Baller 1290, la machine haute densité et débit de chez Newland. Pour parler un petit peu plus de cette CR11, elle a été développée depuis 10 ans. Il ne faut pas oublier que Newland est détenteur du record du monde avec sa CR1090 depuis 2014 avec presque 700 tonnes récoltées en 8 heures. Et donc là, Newland a voulu passer à une dimension supérieure basée sur 4 piliers qui sont la productivité. Cette machine-là, elle est développée avec un moteur de 16 litres et 775 chevaux. Elle a des rotors qui sont beaucoup plus longs, une trémie de 20 000 litres, 210 litres par seconde de vitesse de vidange. L'autre pilier, eh bien, c'est aussi la qualité, hein, qualité de grain avec son nouveau caisson, le caisson Twin Clean qui embarque 4 grilles avec une pré-grille qui emmène plus que 50% du bon grain propre lourd directement à la trémie. Système de double caisson, double distribution totalement automatisée avec les capteurs de pression dans le caisson qui nous permettent bien sûr d'avoir une qualité de grain optimum. Bien sûr, cette machine elle est équipée du système IntelliSense IntelliCruise qui permet la régulation de la vitesse d'avancement, le système de charge à l'intérieur du caisson pour avoir une différence entre grille supérieure et grille inférieure pour minimiser bien sûr la perte et optimiser donc la qualité de grain. La gestion des résidus est un troisième pilier puisque aujourd'hui on a un contrôle qui est intégral en cabine avec des radars que l'on appelle IntelliSpread qui vont venir mesurer la vitesse du vent, les impacts pour bien sûr répartir les résidus de récolte sur la largeur de la coupe et donc une répartition de 15 mètres jusqu'à 18 mètres. Et puis le dernier pilier qui équipe cette machine, eh bien il est basé sur l'optimisation. Hein. Avec une inversion complète de la machine, bien sûr, inversion des rotors, inversion de la coupe, inversion du convoyeur. Un entraînement et une nouvelle cinématique qui sont simplifiées, pas du tout de chaîne, une accessibilité super importante qui permettent une maintenance et une assistance facile sur l'ensemble de la journée.